Bon, je vous dis déjà, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être spécial. Ça va être un truc. Bon, je dis spécial parce que c'est pas souvent que tu as ce genre de format-là sur YouTube. Maintenant, tu vois, il y a de moins en moins de ce genre de format-là. Qu'est-ce que je raconte? Ça ne sert à rien que je t'explique tout ça. Si la vidéo te plaît, tu regardes, tu likes, tu t'abonnes, tu donnes juste ce qui va se passer. En gros, je vais juste filmer toute ma semaine. Voilà, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de lien. Tu vois, juste, je vais juste filmer ma semaine et échanger avec toi de temps en temps. Là, je suis sur le Sony. Et je passerai de temps en temps sur la Blackmagic, sur le GH5, et en même temps je t'expliquerai. Et comme ça, tu auras un retour, son, vidéo, le résultat, si tu vas acheter un Sony ou. Bref, vas-y, c'est parti pour la vidéo. Je saoule d'expliquer. On a commencé déjà. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il est temps de faire une petite vérification pour ceux qui ont l'habitude de me voir sur Instagram. Vous connaissez déjà la petite vérification qu'on fait. Une fois qu'on est à l'intérieur de la Audi, oui, on vérifie si on a assez de coco. Et avons-nous assez de coco pour là où nous devons aller? Vérifions ça tout de suite. Oui, là où nous allons, nous avons besoin de 81 km d'autonomie. Et là, nous avons pratiquement 120. Donc oui, très bien. Est-ce qu'on va s'arrêter pour faire l'essence? Ça, c'est les petits joueurs qui font ce genre de choses. Nous sommes des guerriers, des navigateurs, nous sommes des découvreurs, des explorateurs. Nous n'avons pas besoin de. Non, en fait, en vrai, non, je déconne, il faut aller faire l'essence. Il ne faut pas déconner non plus. Je me rappelle de ta taille exactement. Ouais, 1m69. Exact, c'est le meilleur ça. 1m69, c'est la meilleure taille à faire dans la vie. C'est un but ultime ça. Moi, 1m57, je peux pas flex comme toi. Je vais pas aller plus haut. Je peux pas flex. De quoi? 1m69, c'est la meilleure taille. Il a fait tellement de signes de gang. Là, il a fait tous les gangs. Tout le monde t'accepte. Ils sont tous à ma recherche. Bon, les gars, s'il y a bien une chose que je n'ai plus besoin de prouver, c'est le fait que je sois une galère. Je suis une parfaite galère. Là, ils ont fait sauter mon véhicule. La A3, ils l'ont fait sauter, les gars. Je viens pour récupérer mon véhicule, je me suis garé à un endroit, j'arrive, la voiture n'est plus là. J'ai les boules. J'ai les boules, je suis dégoûté. Donc là, j'arrive, tu connais l'angoisse quand tu vois que. T'as l'impression que soit, je me suis dit, soit on a volé la voiture, ou soit ils l'ont fait sauter. Et le truc, c'est que quand j'ai vu qu'il y avait les barrières et tout, et que, tu vois, à la place de ma voiture, il y avait trois barrières. Et je me suis dit, ah, c'est bon, ils l'ont fait sauter, ces bâtards. Ils l'ont fait sauter. Mais le pire, désolé si vous voyez rien, j'essaye de poser la caméra là. Désolé si pour l'instant vous voyez rien et que vous avez que du son. J'essaie de préparer ça rapidement. À la base, j'allais pas faire de vidéo. Hein. Tu connais, j'ai les nerfs, j'ai les boules. J'allais pas filmer. Mais j'ai fait une story que j'ai mise sur Insta et puis vous connaissez le poteau. Le poteau, il l'a vu et c'est reparti une autre mission galère. Ma voiture est à la fourrière. Oh, allez, il est l'heure de prendre. Oh merde, j'ai pas mes clés. Qu'est-ce que j'ai fait avec... Et moi et ma tête là, je savais pas où j'avais mis mes clés. C'est bon. J'ai fait quoi? Oh, c'est pas possible, j'ai pas déverrouillé, j'ai verrouillé. Bête ou quoi? Voilà, là c'est déverrouillé. Bon, j'ai direction l'église là. Est-ce que je nettoie la voiture? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas laver la voiture. On va faire tout ça derrière. C'est pas là. Allez, let's go. Oh, mais la voiture, elle est pas propre. J'aime pas entrer dans la voiture quand elle est pas propre. J'aime vraiment pas ça. Vas-y, c'est pas grave. Prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt.
trouve que mes potes sont un peu durs à fermer ces temps-ci là. Bon allez bref, let's go. Alors les gars, un truc qui est intéressant à savoir sur moi, c'est que je suis un très gros consommateur de musique. Mais je choisis quand même mes morceaux. Même en tant que batteur, j'avoue, je suis plutôt batteur de louange. Je suis pas trop le genre batteur concert, tu sais, grand concert machin. Mais tu vois, ce genre de morceau-là, là, écoute l'évolution de la drum, s'il te plaît. Tu vois, pour l'instant, il est très posé, il est très calme, il est très tranquille. Et il laisse les voix, il laisse l'ambiance s'installer, tu vois. Il joue pas de ouf. Mais là, tu vois qu'il commence à monter, là. Écoute, ta, 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 ta. Et ça, c'est les morceaux que j'aime. Écoute comment il part. Ça là, ça c'est des morceaux que j'aime. Ça, c'est ça que j'aime jouer, tu vois. Et là, on va peut-être redescendre, non? On est toujours là-haut, on est toujours là-haut, on est toujours là-haut. Oh! 7, 7, 7. Ouh! Ah non, ce genre de morceaux là, les gars, c'est un plaisir. C'est un plaisir à jouer. Et là, est-ce qu'il redescend? Voilà! Et là, on redescend. Oh là là là, les gars! Hey, quand tu joues ce genre de morceau-là à l'église, les gars, et que tout le monde chante, c'est un bonheur, c'est un kiff. Et c'est ça que j'aime dans la musique. Et là, il repart! Là, il repart! Il repart, il repart! On repart! On a une batterie un peu Frankenstein, les gars, parce que au niveau des feuilles, il y a de tout. Donc là, on est sur du... Je ne sais même pas, c'est du marathon, je crois. On a du marathon au-dessus et au-dessous, je crois que, si je me trompe, du Sabian. Voilà, marathon au-dessus, Sabian au-dessous, c'est du n'importe quoi. Paste, je crois que c'est un 18 fine en crash de chez Paste. C'est du n'importe quoi, encore une fois. Ensuite, on a une petite stack Istanbul, là, t'as vu, t'as capté. Istanbul, parce que c'est les meilleurs. Ensuite, ici, on revient en Sabian. C'est du n'importe quoi, les gars. Vraiment, c'est du n'importe quoi, Sabian. Et ensuite, on finit ici avec du paste, en light ride, en 20. Voilà. Bon, par contre, au moins, on n'est pas des sauvages. Les tomes, on est resté sur les mêmes pots. Hein. On a du Remo, OK. Avant, on avait du Evan V2. Mais bon, ils sont passés sur du Remo. Et pour la caisse claire, c'est une caisse claire basique. On a du Evans, Onyx, mais j'aimerais bien le changer parce que je suis pas trop fan. Et puis on a du Evans pour la grosse caisse. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon la team, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'elle sort un peu de l'ordinaire. Ce que j'ai pas trop l'habitude de faire depuis quelques temps, c'est des vidéos que je faisais il y a un bon bout de temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc j'ai peut-être un petit peu perdu la main, mais bon, c'est pas grave, j'avais juste envie de sortir quelque chose pour rester un peu constant et ne pas retomber dans cette mauvaise passe où tu n'as plus envie de filmer, tu n'as plus envie de diffuser, tu n'as plus envie de publier. Voilà, il fallait que je puisse garder ce cap-là, j'ai bien commencé et continue. Donc merci à vous, si ça t'a plu et que ce genre de vidéo-là t'intéresse, ben, tu me dis, je continuerai à faire, je serai un peu plus précis, j'avoue, là j'étais un peu n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai quand même pris plaisir à te montrer un petit peu mon quotidien. Si tu veux voir des vidéos de ce style-là un peu plus travaillées, tu peux regarder mes anciennes vidéos, il n'y a pas de problème. Tu trouveras plein de vlogs et de vlogumentaires de ce style-là, un peu mieux élaborés avec des petits sujets, machin et compagnie. Là, c'était vraiment du random. Donc n'oublie pas, toujours le petit abonnement, ça fait avancer la chaîne. Le petit like, petit partage, petit commentaire. J'attends tes commentaires sur celui-là. Et puis sinon, on se donne rendez-vous pour la suite de l'aventure. Donc, à la prochaine vidéo.